Bonjour à tous et bienvenue sur Pomme d'Amour. Alors aujourd'hui, on va tester un appareil que je viens de recevoir qui s'appelle un spiraliseur. Donc vous connaissez peut-être. En tout cas, celui-ci, c'est un spiraliseur de chez Twinzy. Donc on va tester ça aujourd'hui. On va faire une petite recette rapide. Alors c'est un appareil qui a plusieurs, qui dispose de 5 lames. On les voit ici. En fait, en fonction de la taille des trous, vous avez l'épaisseur de votre spaghetti de légumes. Et après, c'est tout simple. Vous avez un petit truc ça, qui est sympa pour pouvoir accrocher derrière, un système de ventouse qui vous permet de bien accrocher le support. Un petit récipient. Voilà, donc c'est tout simple. Aujourd'hui, on va faire des spaghettis de courgettes. Avec un houmous de petits pois. Alors, c'est tout simple. Je choisis la lame dont j'ai besoin. Alors, moi, j'aime bien quand c'est assez fin. En tout cas, pour les courgettes. Donc, je vais prendre cette lame-là. L'insère. Donc. Hop, faut que j'enlève mon d'abord mon légume. Faut que je l'insère. Ici, tout simplement, je remets ma courgette, je la pique, c'est parti. Alors je vais essayer de zoomer, parce que vous arrivez mieux à voir là. Ouais. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Donc ça fait des super spaghettis, hein. En plus, c'est rapide. Ça n'utilise pas d'électricité. Le produit est compact. Je pense que pour deux, je vais faire qu'une demi. Ça suffira largement. Regardez. Super joli. Voilà. Là. Après, il reste ça que vous pouvez recouper. Faire un petit cube. Hop. Je recouperai tout à l'heure. Regardez. Génial, hein? J'adore. Alors, j'ai fait les carottes. On va essayer avec un oignon, voir ce que ça donne. Et après, on montrera la salade. Extra. Vous avez vu? Je vais montrer. Hop, les spaghettis d'oignon. Ça va être hyper bon dans la salade. Regardez. Voilà. Hyper finement. On va préparer la salade. Alors, pour la salade, j'ai préparé un petit peu avant un houmous. Alors, petits pois épinards. Donc, j'ai mis des petits pois, des épinards, donc de l'ail, du sel, du poivre et un petit peu de pois chiche. Épinards et petits pois, je les ai mis crus. Voilà, ça va faire une sauce qui va lier. Alors ensuite, on va mettre nos spaghettis. Extra, j'adore. Spaghettis de courgettes. On va mettre des carottes. Carottes aussi de ce côté. Hop. Des oignons. Alors des oignons, je vais peut-être pas tout mettre, ça va faire beaucoup. C'est pas grave, je vais le réutiliser pour une autre, pour autre chose. Et alors après, j'avais réservé petits pois frais. Le reste de courgettes, le reste de carottes, vous avez vu, à chaque fois il me reste un petit. Hop. Voilà, je vais tout mettre par contre. Petit pois. Toc. Et dans mon frigo, j'avais des champignons frais. Donc je mets des champignons. Coupés. Voilà.
est pas mal. Moi, je vais tout mettre. Ça va faire beaucoup, peut-être. Tant pis. Voilà. Et j'ai du persil. Donc, un peu de persil. Et j'ai concassé des amandes et des noisettes. Voilà, je pense que ça va être hyper bon. Voilà. Et après, vous assaisonnez comme vous voulez. Sel, poivre, huile. Voilà. Alors, pour résumer, vous avez 5 lames en tout. En fait, vous avez les différentes lamelles pour faire les différentes tailles de spaghettis. C'est hyper facile à enlever. Vous voyez, hop. À laver, très simple. Vous passez sous l'eau chaude et vous avez une petite brosse libre avec pour enlever les petits morceaux qui resteraient un petit peu coincés. Alors, on n'a pas fait. Tiens, je vais quand même faire un test. Avec juste la lame comme ça, celle-ci. Hop. Faites voir. Voilà, et ici vous avez, donc vous pouvez faire ça avec des petites pommes de terre, avec plein de choses. Je vais m'arrêter là. Regardez, hop. Extra. Hein, donc oui, moi je suis assez fan, c'est hyper compact. C'est facile, il n'y a pas d'électricité. On peut l'emmener partout, ça vous fait des assiettes super originales. Voilà, moi je vote pour le spiraliseur, à fond, à fond. Alors si vous aussi vous utilisez le spiraliseur, celui-ci ou un autre, ben dites-le moi et puis peut-être vous pouvez nous envoyer des recettes aussi, ça serait sympa. Voilà. Bonne journée à tous.